Bonsoir à tous, bienvenue dans notre dernier concert de la classe d'excellence de violoncelle de la Fondation Louis Vuitton. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore notre classe de violoncelle, elle s'adresse à 6 jeunes venus du monde entier. Nous nous retrouvons pour 6 sessions pendant l'année de 3 ou 4 jours. Chaque session se termine par leur concert et ils ont souhaité que nous terminions cette saison et ce concert tous ensemble. Voilà, donc chacun à leur tour, ils tiendront la partition de soliste. Les autres violoncellistes accompagneront le soliste. Marion Platero, Yona Pulkkinen, Julia Hagen, Stéphane Tétro, Charles Hervé, Armand Scherro et Samuel Parent, notre pianiste, qui nous rejoindra tout à l'heure pour un extrait de Mendelssohn. Voilà, je voudrais aussi saluer Medici TV, avec lequel nous sommes désormais en partenariat. Nous sommes en live ce soir sur Internet, medici.tv. Et Medici nous suivra également l'année prochaine, donc pour toutes les masterclass. Voilà, merci à eux. Je vous souhaite une très belle soirée en notre compagnie. Nous allons débuter avec une pièce de Astor Piazzolla, Fuga y Misterio. Merci. Thank you.
allons maintenant continuer avec une pièce de Villa-Lobos, Bacchanas Brasileiras, pardon, numéro 1, avec son préludio. Et c'est donc Charles Hervé qui tient la partie de soliste.
continue avec Popper et sa rhapsodie hongroise. Donc toutes ces pièces, naturellement, sont des transcriptions qui ont été faites la plupart du temps par des violoncellistes, bien évidemment. C'est Armand Skéro qui tient la partition de soliste.
Nous allons faire maintenant un tour dans le monde de l'opéra avec une transcription de Grootsmaer, un violoncelliste, transcription d'extrait de Lohengrin de Wagner pour quatre violoncelles. Et c'est Joona Pulkkinen qui tiendra la partie de soliste.
Alors maintenant, une pièce de Burt Bacharach qui s'appelle South American Getaway et une pièce sans soliste. Thank you.
apporté. On accueille maintenant Samuel Parent. Ah bah il est là, voilà, Samuel. Depuis la saison dernière, depuis la première saison, et qui a transcrit pour l'occasion le mouvement lent du premier concerto pour piano de Mendelssohn, donc transcription faite par Samuel Parent.
Alors nous allons continuer avec Brooke, Cold Nidrai, une transcription pour, encore une fois, six violoncelles et donc partie soliste tenue par Marion Platero. Thank you.
Alors Tchaïkovski maintenant. Pezzo Capriccioso. Et c'est Stéphane Tétrault qui... Sorry. Qui va tenir la partie de soliste. Thank you.
Nous restons maintenant avec Tchaïkovski et le Andante Cantabile dans une version pour donc cette violoncelle. C'est Julia Hagen qui va tenir la mélodie.
L'année dernière, dans la saison 1 de la classe d'excellence de violoncelle, nous avions un violoncelliste espagnol qui s'appelle Javier Martinez Campos. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. C'est un merveilleux violoncelliste, mais c'est aussi un merveilleux compositeur. Et il m'a proposé l'an dernier d'écrire une pièce pour la classe d'excellence de violoncelle. Et évidemment, j'ai accepté. Et c'est devenu un petit peu l'emblème de la classe de violoncelle. Donc nous allons la jouer maintenant. On a la chance qu'il soit aussi parmi nous. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est assis. Il viendra nous rejoindre tout à l'heure. Et aussi une merveilleuse nouvelle qui s'est concrétisée il y a quelques jours. Il vient d'être édité, vous pouvez le voir sur les pupitres, par les éditions Biodo. Donc voilà, je suis très heureux que cette pièce, qui soit un peu l'emblème de la classe, soit aussi éditée et puisse être jouée par d'autres violoncellistes. Merci.
Voilà, on va terminer en musique. Simplement, avant, je veux dire après avoir parlé, c'est ce que je voulais dire. Simplement, je voudrais dire encore un immense merci à la Fondation Louis Vuitton et à toutes ces équipes qui nous permettent de faire ces classes de violoncelle dans des conditions vraiment extraordinaires. Il faut redire encore que c'est un projet unique au monde et je suis vraiment très, très, très touché, très heureux, et c'est un grand privilège qu'on puisse travailler dans ces conditions. Donc encore un grand merci. Vous annoncez aussi que la classe d'excellence continue l'année prochaine, saison 3. Voilà. Et pour tous les jeunes violoncellistes intéressés, les auditions seront les 15 et 16 septembre, ici, dans l'auditorium de la Fondation. Les dossiers seront prochainement en ligne sur le site de la Fondation. Merci beaucoup, et donc on termine avec une marche de Giovanni Solima. Thank you.